Salut à tous, c'est Xus Carter pour YouTube Pink Stomp Stomp sur Twitch et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Far Cry 6. Ouais non, peut-être pas avec le... Ton compte est bon, crevure. Une bonne action, merci. De nada. Ça m'a l'air très très sympathique tout ça. Très accueillant surtout. Donc ça c'est à l'étage. Et comment je monte à l'étage moi du coup? Ah bah comme ça apparemment. Non, il y a personne. Thank you.
roule. Ok. Attention, Danny. Vite, détache-moi. Une clé. Me iban a matar. C'est pas ce qui était envisagé, mais...
Tu disais. Éthique et tac, éthique et tac. Si t'es aussi stressé que moi, tu devrais aller voir le docteur Yanni Davalos. Il est vraiment doué, tu peux me croire. Génial. C'est de la super marchandise. C'est quoi, on va faire ça comme ça. Qui cherche le pardon. Ouais, à mon avis, je peux y arriver. Hop, on va aller faire ça comme ça. Bienvenue dans ma clinique. Je suis le docteur Davalos, l'expert numéro 1 en psychiatrie alternative, même si je n'ai plus le droit d'exercer. Les pierres me disent que vos chakras sont bloqués, que votre équilibre intérieur est rompu. Vous avez tué beaucoup de gens. Ce qu'il vous faut, c'est mon programme thérapeutique en 5 étapes et demie. Et nous allons commencer immédiatement. Allez donc attraper quelques poissons, 3 au moins, et rappelez-moi quand ce sera fait. Votre rétablissement mystique commence maintenant. Garde espoir. Attrapez quelques poissons. Ça a l'air d'être un bon coin pour pêcher. C'est plutôt relaxant. Ouais, j'en ai eu un. Bien joué. Joli.
Allez, encore un. Ah, pas mal. Il n'y a plus qu'à le faire griller. Et voilà pour la première étape de son programme à la con. Docteur Dabalos, c'est Danny. J'ai attrapé des poissons. Très bien. Mon traitement fonctionne, Danny. Ah bon? Parce que je sens rien. Justement, passons à la deuxième étape. Je veux que vous nourrissiez des pélicans. Pourquoi? Danny, vous voulez débloquer vos chakras, entrer en harmonie avec les cristaux et vous débarrasser de vos déséquilibres négatifs, non? J'essaie encore de comprendre ce que ça veut dire. Contentez-vous de suivre la deuxième étape et nourrissez les pélicans. D'accord, d'accord. T'as faim, mon gros? Voilà. Donc, j'ai nourri les pélicans. Oui, les cristaux me l'ont chanté. Bien, Danny, vous pouvez passer à la troisième étape. Je dois faire quoi cette fois? Nourrir des chiens ou des poulets? Non, les chiens ne sont pas dignes de confiance et les poulets n'existent pas. Je veux que vous méditiez. Que je médite? Où? Ici? Non, ne soyez pas ridicule. Dans un nid d'aigle sur une falaise. L'ascension est ardue et un pont cassé est proche. Faites attention. Pardon? Cogno. Je crois pas que je vais y aller à pied, hein. Le cinglé a dit que le nid de l'aigle était là. Ça a intérêt d'en valoir le coup. Je dois me détendre. C'était plutôt pas mal comme sensation. Oui, c'est moi. C'est bon, j'ai médité dans un putain de nid d'aigle. Alors ? C'était bizarre. Mais plutôt relaxant, je dois dire. Si vos chakras pouvaient parler, ils vous remercieraient. On peut passer à la prochaine étape. Cette fois, vous allez sauter en parachute. D'accord. Ça doit être sympa. Vous voyez ? Mon programme, c'est pas si...
si étrange. Je n'irai pas jusque-là. Dany, Dany, qui a passé le sol? Je ne sais plus, là. Parfaitement. Trouvez un site en hauteur et unissez-vous aux nuages, Dany. Ah. J'imagine que faire ça, ça fonctionnera, oui. Enfin, j'espère. B est à l'église. Peut-être qu'il cherche le pardon. Dany, c'est le docteur Dabalos. Pas maintenant. Dabalos. Dany, avez-vous fusionné avec les cumulonimbus? Je sais pas trop, mais c'était plutôt cool. Voyez, pur développement spirituel. Maintenant, je veux que vous disiez des choses gentilles à vos ennemis en les tuant. Sans arme à feu. Quoi? Dany, ne discutez pas mes méthodes. Vous êtes proche d'une avancée spirituelle majeure, mais vous devez terminer toutes les étapes. Les cristaux ont parlé. Ah, d'accord. Change rien, t'es au top. Hola. Bon, j'ai éliminé des gens et je leur ai dit des trucs sympas. Ah, bon, ils viennent, Dany. Vous êtes l'une de mes meilleures patientes. Je suis votre unique patiente. S'il vous plaît, passez à mon cabinet pour la toute dernière étape. Je suis si fière de vous. J'arrive dès que je peux. Ça va? Tiens, il a changé de tronche et de t-shirt, lui. Bon, il y a intérêt à ce que ce soit pas encore un truc à la con, il fallait vous chercher en boucle. Félicitations, Dany. Vous avez terminé mon programme thérapeutique en 5 étapes et demie. Mais j'en ai fait que 5. La dernière demi-étape, c'était de revenir me voir. En tout cas, je me sens pas vraiment différente. C'est faux! Vos chakras sont débloqués et votre aura a la couleur d'un quartz spirituel. Si tu le dis. C'est une excellente nouvelle. Croyez-moi. Mais il y a encore une chose. C'est quoi? Vous allez devoir continuer votre folie meurtrière. Sinon, vous risquez de souffrir d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Ça a l'air vraiment terrible. Ça l'est, en effet. Ne vous arrêtez jamais de tuer, Dany. Jamais. Ok, j'essaierai de m'en souvenir. N'hésitez pas à revenir me voir. J'ai un autre programme pour vous, que j'appelle la thérapie de l'urine galactique. Testez-le d'abord sur vous, et dites-moi ce que ça donne.
faire, Grigia. À la villa du livre, il va nous falloir plus d'infos avant d'attaquer une nuit, sauver les civils, scruter, observer de nuit, infiltrer. L'armée n'a rien remarqué, nous a obtenu le soutien des civils qui nous ont fourni des infos. Nous allons pouvoir travailler tous ensemble et quitter cet endroit. On a repéré à la disposition générale de la villa et trouvé où sont détenus les civils. Il faut qu'on les sorte de là sans que les soldats nous voient. Préparer l'évasion, se cacher dans la nature, fuir. Préparer les canaux de sauvetage, nous allons un peu mieux. Plutôt que d'éclaireurs de garde, on a tué quelques-uns. On est entré dans le bâtiment des civils, on a fui vers la côte. On s'est débarrassé des éclaireurs de garde, mais non sans mal. Plusieurs camarades ont été mortellement blessés. Osef. Alors, on a fait sortir tous les civils et on les a renvoyés sur Yara avec une partie de l'équipe. Il faut qu'on détruise cet endroit avant qu'ils remplacent les ouvriers libérés. Pas de pitié, casser la baraque. On avait une longueur d'avance sur l'ennemi, alors on a posé des explosifs dans la villa tout en rassemblant les civils sur les canaux. Plus qu'à faire sauter ce merdier. Hop! On est arrivé sur le site secret à la faveur de la nuit, on est posté à l'extérieur, il faut qu'on y accède. Faire diversion. C'est des routiers de guerre, on a carrément quitté les postes pour voir ce qui s'est passé. Pour voir ce que c'était, on peut rentrer. Continuer. On est prisonnier quand j'ai ceci. Tenez un garde, suivez le convoi. Jouer du klaxon. Pourquoi je peux pas l'envoyer? Hey. C'est quand la dernière fois que tu l'as nourri? J'espère que tu viens nous aider. Votre bénédiction. Non, pas de musique.
Alors, lui, mais non, en fait. Vu que c'est un poste de contrôle, moi, je vais m'arrêter là et je le commencerai tout de suite dans le prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!